Eh bien, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 21 avril 2022. Ce matin, le soleil s'est levé dans l'axe des alignements du Ménèque que vous pouvez voir dans l'image derrière moi. Le soleil se lève dans cet axe 2 jours par an, le 21 avril, le début du signe du Taureau, et le 23 août, qui est le début du signe de la Vierge. Je voulais profiter de cette date pour parler d'un sujet important concernant les alignements de Carnac, c'est la relation qu'il y a entre ces alignements du Ménèque et puis les alignements de Kermaria au loin. Parce que bien qu'on ne les voit pas ici dans l'image, les alignements de Kermario se trouvent exactement dans le prolongement des alignements du Manek, à un peu moins d'1,5 km, 1445 mètres. Et cette relation, qui est évidente puisque les fils du Manek visent toutes les files de Kermario, bien que cette relation soit évidente, elle n'est pas du tout reconnue. Et je voudrais revenir sur quelques éléments à ce sujet, montrer quelques photos qui peuvent donner des indications claires de l'intention des bâtisseurs. Alors, cet axe correspond donc au lever du soleil 30 jours après l'équinoxe. Et ça correspond à une géométrie du triple carré. La première chose que je voudrais faire justement, c'est vous montrer l'éphéméride de la journée. Donc nous avons ici le calcul concernant l'éphéméride du jour, fait avec un logiciel de calcul. Et donc on a la date d'aujourd'hui, le 21 avril 2022. J'ai fait ce calcul à 14h48. J'ai rentré la location, donc le lieu, c'est la latitude et la longitude de Carnac. Et le logiciel va ensuite me donner l'heure du lever, du coucher du soleil, ici, et différents éléments. Et puis surtout, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il va nous donner ici l'azimut du soleil au moment de son lever et son coucher. Donc l'azimut, c'est l'angle depuis le nord. Ici, on a deux angles, 71,3 degrés, c'est l'angle depuis le nord du lever, et 289 degrés, c'est l'angle depuis le nord du coucher. Alors 71,3, c'est 18,3 7 degrés par rapport à l'axe est-ouest, c'est 90 moins 71,3. Et puis 289, c'est 19 degrés de plus que l'ouest, 270 plus 19, 289. Ça veut dire qu'au cours de la journée, entre le lever et le coucher, le soleil va déjà se décaler de 3 dixièmes de degré. Donc on voit qu'en ce moment, les angles des levées, des couchers, ça va très vite. Et donc on voit que c'est aujourd'hui l'axe, le moment où le soleil sera à 71,56 degrés. Et ben c'est la date d'aujourd'hui que ça va avoir lieu. Alors on peut regarder. Ici on voit le schéma du triple carré. Ici sont les alignements du Manek, ici les alignements de Kermario. Et ce schéma montre comment le premier fil va sur le dolmen de Kermario, exactement à un angle de 71,56 degrés. Et puis ensuite, les lignes, c'est l'angle exact donc de triple carré, trois carrés placés côte à côte. Et ensuite, les lignes suivantes vont viser, chaque ligne va viser la ligne suivante dans les alignements de Kermario. Alors, je voudrais vous proposer de vérifier ça avec Google Earth ici. Et donc, on va pouvoir tracer des lignes
pour pouvoir regarder. Donc si je prends cette première ligne ici, je vais placer mon point. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais c'est toujours intéressant de voir. Je vais placer maintenant, je viens sur la première pierre ici, et je peux constater 71,57 degrés, donc sur une distance de 1467 mètres. Vous voyez que ça, c'est un angle exact, et on voit surtout que les pierres des alignements du Manec suivent exactement donc cet axe qui est l'axe exact d'un triple carré par rapport au nord. Donc deux choses, ça suit exactement l'axe d'un triple carré et ça relie ces deux systèmes d'alignement. Maintenant, on peut le voir pour la ligne suivante. On peut voir la précision sur la ligne suivante. L'axe est déjà marqué, mais on va le refaire. Donc, je vais remettre à zéro et je vais refaire l'axe ici. On va zoomer en arrière. On va venir jusqu'à la ligne ici sur la pierre et vous voyez 71, 56 degrés. Exactement l'angle. Alors ici, on a 1463,4 mètres, voilà, 71,6 degrés. Et si je reviens, ben on voit bien que cette ligne suit de nouveau exactement les alignements de pierre. Vous voyez, ils sont parfaitement alignés dessus. Voilà. Donc c'est quelque chose qui laisse pas de place pour le doute. On peut faire la ligne suivante. Alors ici, il y a une particularité parce que les trois premières pierres ont été placées est-ouest. Ils sont pas exactement, ils montrent l'axe est-ouest, donc ils sont pas exactement dans la ligne. Mais si de nouveau je me place ici et je vais sur la pierre suivante, et ben de nouveau on a nos 71,7 degrés, 71, 56. Vous voyez? Et donc, ces lignes sont clairement orientées sur cet axe. Donc, ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Mais il y a une grande confusion. La plupart des observateurs n'ont pas vu cette relation entre le Manetkaker et Mario. Parce qu'au milieu des alignements, il y a d'autres pierres. Ici, on les voit, c'est des pierres du Manec Est. Et ces alignements sont orientés différemment. Ici, on voit avec cette ligne rouge, si je le suis, on voit qu'il suit les trois pierres ici, puis ici, puis ici. Et on va voir que cette ligne vise la première pierre dans l'angle des alignements, et ce, sur l'angle d'un double carré. Ici, on a un angle de... Je pense qu'on peut venir carrément jusqu'ici. Voilà, c'est 243,43 degrés. C'est l'axe exact d'un double carré qui vient tout à fait sur le début du Chrome Lake ici. Et donc, ça montre autre chose. La première partie, c'est l'axe d'un triple carré. Et ces alignements ici, c'est l'axe d'un double carré. On peut voir, par exemple, si je pars de la partie sud ici, de cette ligne-là, on va voir que cette ligne est aussi marquée. Ici, au bord de la route, on voit des pierres ici arriver. Et on peut voir, vous voyez, on est dans le même axe jusqu'à cette pierre-là, 243,44 degrés. Donc, c'est exactement l'angle d'un bicarré. Et on voit comment ça suit, comment les pierres suivent ici. Et donc, il y a deux axes dans ces alignements, les axes d'un bicarré et les axes d'un triple carré.
Alors forcément, ça crée une sorte de confusion au milieu, on ne sait pas trop ce qui se passe, les lignes arrivent dans une direction, puis repartent dans une autre. Il y a des endroits un peu de jonction et je voudrais justement vous montrer comment les bâtisseurs ont réglé ce problème. Parce que, au fait, ici, pour montrer la continuité des lignes, ils ont créé un talus ici avec des pierres dedans. Alors on voit, ici, si on zoome, on voit une pierre ici qui est bien alignée sur la ligne jaune ici. Parfaitement aligné. Il y en a un autre ici qu'on ne voit pas. Je vais vous montrer les photos dans un instant. Il y a trois pierres là qui sont alignées aussi avec celle-ci. Cette pierre fait une sorte de jonction. Ils sont alignées comme ça. Et ici. Et puis plus loin, celle-ci. Et celle-ci. Et donc cet axe est marqué. Je propose d'aller voir tout de suite. Les photos. Et donc on a ici un certain nombre de photos qui montrent les pierres. On voit le talus là, là c'est la route. On voit que c'est creux ici. Et puis c'est creux de l'autre côté. Là c'est vraiment un talus qui a été fait ici. Et ces pierres sont alignées. On va voir l'image suivante. C'est un peu plus loin. Ça, c'est une pierre qui est dans le talus. Et puis, là, je cache un peu. Mais ici, c'est cette pierre qui est alignée exactement sur l'axe de la ligne qui va à Camario. Puis, il y a un autre dans le sol, juste ici à côté. Voilà, ça c'est maintenant dans l'autre sens, ça c'est la pierre qu'on vient de voir. Vous voyez juste ici une autre pierre, pas visible sur satellite, mais qui est parfaitement alignée. Et on voit bien ce talus qui continue comme ça. Ça c'est quand même très clair. Et avec les autres pierres qu'on a vues qui étaient alignées au début. Donc je voulais montrer ce détail. Qui a son importance et qui clairement indique l'intention des bâtisseurs. Deux autres pierres, un peu plus loin dans le champ, montrent ici un axe. On voit clairement que l'axe de ces deux pierres, si je tire un trait comme ça, eh ben, leur axe part juste à droite de la maison, là. Les pierres sont alignées. Ils sont orientés et alignés juste à droite de la maison, là. Et alors maintenant, si je reviens dans Google Earth, alors je vais chercher ces pierres-là. Ils sont un peu plus durs à trouver parce qu'ils sont tout petits. Ils sont là, voilà, on voit 1 et 2. Et si je pars de ces deux pierres pour venir maintenant à droite de cette ligne-là, je suis là à 71,56 degrés, donc de nouveau l'axe exact d'un triple carré. Et si je reviens ici, ben je vois comment cette ligne passe par ces deux pierres et juste à droite de la maison. Ça c'est le pignon de la maison, ça passe juste à droite, comme on a pu voir dans la photo précédente. Et comme ça part juste à droite de la maison. Donc ces pierres qui sont au milieu des alignements du Banneck, vise carrément Camario. Donc c'est quelque chose de très important. Le 23 août 2019, le début du signe de la Vierge, nous avons été au moment du lever du soleil, au début des alignements du Banneck, et nous avons survolé les alignements du Banneck avec un drone vers le lever du soleil pour montrer cet axe. Et je voudrais vous montrer maintenant cette vidéo. Là, le drone est positionné derrière
la toiture et puis il part, il se lève au-dessus de ce fil, le deuxième fil depuis le sud, des alignements, et il s'envole vers le soleil, le vent. Le soleil s'est levé un petit peu, depuis un petit peu de temps. Il est légèrement, très légèrement à droite du point où il apparaît à l'horizon. Et là, le drone vole, on voit justement les lignes qui s'en vont vers dans cette direction. Et puis à partir d'ici, on va voir justement les menhirs qui s'orientent dans une autre direction, qui commencent à tourner vers le Menhek Est ici. Et je voudrais attirer votre attention. Là, les menhirs s'en vont par là, mais regardez ici, on voit bien cette butte avec les menhirs dedans. On le voit bien qui s'en va vers ici, là, vers le lever du soleil et donc vers l'axe des alignements de Camario. Sur la gauche ici, on voit apparaître ici les alignements, ici on les voit, les alignements du Menhek Est, mais nous on passe au sud de ces alignements et on commence à voir apparaître au loin, ici c'est le champ. Ici, c'est le champ des alignements de Camario. Nous survolons là des arbres et un champ. Je ne sais pas si ça a été fouillé. Je ne pense que ça n'a jamais été fouillé à cet endroit, mais peut-être ce serait intéressant de faire des fouilles non intrusives, au LIDAR par exemple, de voir s'il y a des traces de choses dans le sol. Toujours est-il, voyez, comme nous arrivons maintenant vers les alignements de Camario et on suivit l'axe du soleil levant. Ici, les alignements changent de direction et vont s'en aller dans cette direction-là, vers le lever au solstice. Donc, ma présentation s'arrête ici. J'espère que ça vous a permis de voir, de comprendre plus clairement l'axe de ces alignements et la jonction qu'il y a entre ces deux séries d'alignements. Et voir les petits détails que les bâtisseurs ont utilisés pour donner de la clarté dans une installation qui est quand même complexe. Merci de votre attention. Bonsoir.